J'ai des films qui datent de 1935 et sont toujours en bon état, malgré leur mauvaise conservation. Voire même des films sur l'exploration du Congo, à l'époque de Livingstone. Le film Centenaire, qui retrace la construction de la ligne de chemin de fer, Kinshasa-Matadi. Tous ces films sont en bon état. Inimaginable mais vrai. La cinémathèque congolaise conserve des films rares qui retracent l'histoire du Congo. Certains films sont inédits et uniques. Griffés, rayés, les films de propagande de l'abbé André Cornille, grâce au roi J'aurai ma maison, fut largement diffusé autrefois au plaisir des indigènes. Le 30 juin 1960, l'indépendance du Congo proclamée. Les Occidentaux quittent précipitamment la colonie, laissant derrière eux des pellicules, des images, des films. Aujourd'hui, ces documents constituent la cinémathèque du Congo. À une certaine époque, les distributeurs venaient louer des films pour projeter dans leurs salles. Mais actuellement, plus personne ne s'y intéresse. Maintenant, qu'allez-vous faire de tous ces films en mauvais état? Ces films ne sont pas abîmés. Nous pouvons les restaurer si on nous fournit les produits nécessaires. Tous ces matériels que vous voyez là ne sont pas foutus. Certains sont en panne, d'autres fonctionnent encore. Bonjour, Maman Divangel. Je suis venu chercher trois films, un film sur le pygmée et les deux autres que j'ai réalisés, le cimetière national et le jardin botanique. À la fin des années 40, un cinéaste belge, l'abbé aumônier André Cornille, se présente comme spécialiste en matière du cinéma éducatif pour des indigènes. En juillet 1949, l'abbé Cornille réalise des films pour des Congolais. Étant convaincu de l'intelligence primitive des indigènes de comprendre un film classique, ces derniers ont droit au court-métrage comique et insipide. Évolué dans l'art de la compréhension du langage cinématographique, les cinéphiles congolais se désintéressent des images caricaturales et sarcastiques de leur société. Les distributeurs au bord de la faillite abandonnent la commercialisation des images qui reflètent les souvenirs du colonialisme.
Les responsables ne s'occupent plus des archives. Vu qu'on est à l'heure de la vidéo, nos films sont délaissés au profit des cassettes vidéo. Les distributeurs préfèrent acheter des films vidéo en Europe. Ils considèrent nos films comme antiquités et dépassés, ce qui explique cette dégradation. C'est généralement le dimanche matin que le train venant d'Elisabethville dépose à Louloubourg les nouveaux élèves et leurs familles. Joseph Cassadi, soldat de deuxième classe, a été désigné pour suivre les cours de sergent breveté. Il arrive à Louloubourg, accompagné de sa femme Maria. Si les Congolais ne prennent pas conscience de cet héritage, celui-ci risque de subsister uniquement dans leur mémoire et finalement disparaître avec le temps. Que restera-t-il aux générations futures? Un vague souvenir ou un désir de faire renaître de nouveau ces témoignages?